Bonjour, dans cette application, nous allons mettre en œuvre les notions expliquées dans le cours intitulé Calcul et interprétation des soldes. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause pour prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez ensuite redémarrer la vidéo afin de voir la correction de l'exercice. Le cas que nous allons traiter est le suivant. Les entreprises Beaugre et Belleterre sont en relation d'affaires. Elles ont réalisé les opérations suivantes au cours du mois de janvier N. Nous avons trois opérations. Nous allons tenir successivement la comptabilité des deux entreprises en adoptant pour chacune la forme des comptes qui nous est imposée, et en calculant leur solde respectif au 31 janvier, c'est-à-dire à l'issue des trois opérations que nous aurons enregistrées. Les soldes des comptes étaient nuls au 1er janvier N. Puis nous tirerons une conclusion en comparant les deux comptabilités que nous aurons tenues. Commençons par tenir nos deux comptabilités. Nous allons commencer par la comptabilité de l'entreprise Beaugré. Pour cela, nous avons le compte 4091, qui est un compte en deux parties, le compte 401, qui est également un compte en deux parties, et nous avons deux comptes schématiques, 512 banques et 607 achats de marchandises. Enregistrons ces opérations. Alors, la première opération est datée du 4 janvier. Beaugré commande des marchandises à Belleterre en versant un acompte de 500 euros par chèque bancaire. Si nous schématisons les flux, donc Beaugré est en relation ici bien évidemment avec Belleterre. Beaugré fait un chèque bancaire au profit de Belleterre. Il s'agit pour Beaugré d'un flux monétaire de sortie comptant. Et Beaugré a donc une créance sur Belleterre, puisque Beaugré attend la livraison des marchandises qu'il a commandées. Il s'agit d'un flux physique d'entrée différée court terme. Nous pouvons donc enregistrer ces opérations de la manière suivante. Tout d'abord, dans le compte 4091, nous allons constater la créance sur Belleterre, donc pour 500 euros. Et enfin, dans le compte banque 512, nous allons constater au crédit le flux monétaire de sortie comptant, donc 500 euros dans le compte banque. Pour la deuxième opération, le 11 janvier, Belleterre livre Beaugré de sa commande en lui joignant la facture numéro 759. Cette facture est de 3 800 euros, auquel il faut retrancher le montant de l'acompte versé, et par conséquent, Beaugré doit donc encore payer 3 300 euros à son fournisseur Belleterre. Nous pouvons schématiser l'opération de la manière suivante. Nous avons tout d'abord un premier flux qui va de Belleterre à Beaugré, constatant chez Beaugré un achat de marchandises pour une valeur de 3 800 euros. Il s'agit pour Beaugré d'un flux physique d'entrée à court terme. Nous allons constater également l'extinction d'une créance pour 500 euros. En effet, Belleterre livrant son client, la créance que nous avions constatée dans l'opération précédente s'éteint. Enfin, Beaugré doit encore 3 300 euros à son fournisseur Belleterre, ce qui constitue pour lui un flux monétaire de sortie différée court terme. Nous pouvons donc enregistrer ces opérations dans la comptabilité de l'entreprise Beaugré. Tout d'abord, l'achat de marchandises va s'enregistrer dans le compte 607, donc au débit, puisqu'il s'agit d'un flux d'entrée, 3 800 euros. Nous allons constater également l'extinction
de la créance en réutilisant le compte 4091, mais cette fois-ci au crédit, pour 500 euros. Enfin, nous allons constater la dette que nous avons sur le fournisseur en créditant le compte 401 fournisseur pour 3300 euros. Enfin, le 25 janvier intervient la dernière opération où Beaugré donne à Belter le chèque de 1100 euros en paiement partiel de sa dette. Par conséquent, schématiquement, nous avons un chèque bancaire qui va passer de Beaugré à Belter et qui constitue pour Beaugré un flux monétaire de sortie comptant. Dans l'autre sens, nous constatons l'extinction partielle de la dette que nous avions enregistrée dans l'opération précédente. Ici, elle s'éteint pour 1100 euros. L'extinction de cette dette va s'enregistrer dans le compte 401, compte où elle était également apparue, mais cette fois-ci côté débit pour 1100 euros. Enfin, nous allons constater le flux monétaire de sortie comptant au crédit du compte banque, ici même, pour 1100 euros. Ceci fait, nous pouvons calculer dans chacun de nos comptes leur solde respectif. Dans le compte 4091, nous avons enregistré autant au débit qu'au crédit, par conséquent, le solde du compte est nul. Dans le compte 401, nous avons enregistré plus au crédit qu'au débit. Par conséquent, le solde du compte est créditeur pour un montant de 2200 euros. Nous inscrivons par convention ce solde côté débit pour équilibrer le tableau. Du côté des comptes schématiques, eh bien, le compte banque n'a enregistré que des éléments au crédit. Le compte achat, lui, n'a enregistré que des éléments au débit. Par conséquent, nous pouvons calculer facilement les soldes de ces deux comptes. Le compte banque présente un solde créditeur de 1600 euros et le compte achat de marchandises un solde débiteur de 3800. Tenons maintenant la comptabilité de l'entreprise Belter. De la même manière, nous pouvons schématiser les opérations puis les enregistrer dans les comptes qui nous sont fournis. Cette fois-ci, nous allons utiliser le compte 4191 clients avances et acomptes reçus sur commande, que nous allons compléter ensemble. Le compte 411 clients, ces deux comptes ont la forme de compte en deux parties. Enfin, les comptes 512 et 707 qui nous sont donnés sous la forme de comptes schématiques. Si nous schématisons la première opération, Beaugré commandait les marchandises à Belter en versant un acompte. Cette fois-ci, Belter est à gauche, reçoit un chèque, il s'agit donc d'un flux monétaire d'entrée comptant, et a une dette sur son client Beaugré auquel elle devra livrer une marchandise pour 500 euros. Cette opération va s'enregistrer de la manière suivante. Nous allons dans un premier temps constater la créance que nous avons sur le client, donc à la date du 4 janvier, et ce sera donc au débit du compte 4191 pour le montant de l'acompte. Ce sera, pardon, au crédit, puisqu'il s'agit d'un flux de sortie 500 euros. Et nous allons, ce même jour, débiter le compte banque pour constater le flux monétaire d'entrée comptant. Dans la deuxième opération, le 11 janvier, Belter donc livre sa commande à son client. Il s'agit alors d'une vente de marchandises, flux physique de sortie pour 3800 euros, et en contrepartie, nous avons une créance
qui apparaît sur Beaugré pour 3 300 euros, et l'extinction de la dette, en l'occurrence l'acompte, qui était apparue dans l'opération précédente. L'extinction de cette dette va s'enregistrer à nouveau dans le compte 4191, mais cette fois-ci du côté débit, la créance que nous avons sur le client va s'enregistrer dans le compte 411 client. Elle s'enregistrera bien évidemment au débit pour constater le flux d'entrée. Enfin, dans le compte 707, nous constaterons le flux physique de sortie au crédit du compte. Enfin, troisième et dernière opération, Beaugré donne à Belter un chèque de 1100 euros. Nous allons donc constater pour Belter un flux monétaire d'entrée comptant et l'extinction partielle de la créance apparue dans l'opération précédente. L'extinction de la créance va s'enregistrer dans le même compte que celui qui avait enregistré cette créance, c'est-à-dire le compte 411, mais cette fois-ci au crédit. Enfin, nous allons constater au débit du compte banque l'entrée des 1100 euros dans notre comptabilité. Nous pouvons alors calculer les soldes de chacun de nos comptes. Le compte 4191, qui était créditeur à l'issue de la première opération, eh bien, est soldé à l'issue de la deuxième opération. Le compte 411 est débiteur le 25 janvier pour 2200 euros. Du côté de nos comptes schématiques, eh bien, nous aurons un compte banque qui va présenter un solde débiteur pour 1600 euros et un compte 707 vente de marchandises qui présentera un solde créditeur de 3800 euros. Par conséquent, et c'est l'objet de la deuxième question, nous pouvons constater que les comptabilités des deux partenaires sont inversées, on dit qu'elles sont réciproques. Il existe en fait une réciprocité entre d'une part les comptes 401, 4091, 512 et 601, et d'autre part les comptes 411, 4091, 512 et 707.